ओ अज्ञाति ज्ञाजन शराक चक्षुन्मेलिम ये तस्में श्रीगुर वे नम हे कृष्ण करुना सिंध दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चनघोरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरे वडेशभानुसुते देवे राणमामि हरे प्रिये हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Ya kudende te shada ada davada Ya shubla vastra vrita Ya vena varadan damandita kada Ya shveta panma Ya brahma chuta chankara prabhiti be Deve sada vandita Samam patu sarasvati bhagavati Bodhi pradam sharade Bodhi pradam sharade Donc ce soir, on va faire les versets qu'on n'avait pas fait encore dans le chapitre euh, 9. On avait, euh, que j'avais involontairement euh, comment on peut dire oublié de faire. Et du coup, on va faire ça ce soir et on va regarder, peut-être qu'on commence le chapitre 10, mais c'est pas sûr parce que ça sert à rien de... de, de... D'essayer de faire pour faire. Donc on va voir déjà ce qui est possible pour, euh, pour nous ce soir. Est-ce que c'est assez grand pour vous Vous voyez mon écran ouais. Oui, oui, oui. Je vais enlever ça comme ça on est un peu plus. Ok, ça doit le faire. Donc, de nouveau, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours demander. Sinon, vous pouvez écrire dans le, dans le chat aussi, pas de souci Et commencer comme ça. Donc, dans mon souvenir, on était arrivé au verset 15. Ça, on avait fait pour sûr. Et après, on avait fait, il y a deux semaines, le pouvoir de Bhakti, de 27 à 33, et ensuite 34. Donc, ça, c'est sur ce déjà fait donc ce qui nous manque c'est 16 à 19 et 20 à 25 et c'est des versets qui sont importants donc c'est très très bien que qu'on passe un petit peu de temps dessus juste une seconde OK Donc on a vu comment le comment dire comment le chapitre était formé donc on avait cette idée au début que Krishna il imprègne tout ce qui existe il imprègne tout mais en même temps on n'est pas absorbé dans lui donc il dit je suis en tout mais pas tout est en moi. Il y avait cette sorte de paradoxe il explique ce paradoxe. Et de la même manière que les choses existent dans le ciel comme le vent existe dans le ciel, de la même manière, tout existe en moi, mais je suis aussi différent de tout, et donc détaché de tout ça. Et à la fin, il explique comment est-ce qu'on peut atteindre un état dans lequel Krishna vit pleinement en nous, et on vit pleinement en lui. Et on comprend que pour atteindre cet état-là, il y a une seule manière, c'est de suivre ce... Raja Rajagoya, qui veut dire le plus grand des secrets, le secret royal, qui est simplement la dévotion. Le plus grand des yogas, qui est le yoga de la dévotion. Et c'est pour ça que Krishna, au début du, du, du chapitre, il lui dit, il explique, il dit, maintenant, Arjuna, je vais te révéler le plus grand secret de toutes les connaissances. Ainsi que le procédé pour réaliser ça de manière immédiate. Et du coup, en faisant ça, on sera libéré. Euh, des misères de la vie, quoi, en, gros, en apprenant ça. Et donc, on a compris que c'était Bhakti, le yoga de la dévotion. Comme on oh. voit dans ce verset ici, 14, me glorifiant constamment, prononçant des vœux, s'engageant toujours leur mental en moi. Kishna, explique ça. Ok, jusque-là, on s'en souvient Vous vous souvenez du contexte Ok. Donc maintenant, on va regarder le verset 16 à 19. Ces versets ils vont nous donner une petite idée de ce qui va se passer au chapitre 10 aussi. Vous allez voir, le chapitre 10, il est vraiment spécifique. Et il, ici, ça se reflète un petit peu. Vous allez voir. Donc, Krishna dit Je suis le rituel, je suis le sacrifice, je suis les offrandes faites aux ancêtres. Je suis les herbes, je suis le mantra. Moi seul, je suis le gui, le beurre clarifié. Je suis le feu, je suis l'offrande en elle-même. Donc, d'abord on va lire les versets, puis après on peut, on peut aller là-dessus. Il dit, je suis le père, la mère, le soutien, le grand-père de cet univers. Il dit, il est l'objet de la connaissance, le purificateur la syllabe HOME, le Rig Veda, Sama Et ensuite, on va voir le reste. Oui, Lydia. Est-ce est que vous m'entendez correctement ou est-ce que ça coupe Ça coupe, un peu. oui, ça coupe, oui, parfois, puis on te voit un peu figé de temps en temps. Ok. Euh... Je vais faire quelque chose qui va peut-être couper la connexion pendant une minute. Mais euh, mais euh, ça va aller mieux après Ok, est-ce que c'est mieux Ouais, on dirait que c'est mieux. Si, okay, oui. dit, hein. si oui. vous voyez que ça coupe, n'hésitez pas à me dire, hein, parce que sinon, je ne peux pas voir. Cool. Donc, il dit Je suis le rituel, le sacrifice, les offrandes faites aux ancêtres. Il dit Je suis les herbes, le mantra, tout ça, tout ça, tout ça. En gros, ici, il y a un point qui est vraiment important. C'est comment Krishna, il switch, on va dire. Il, passe, il explique que voilà, les gens, ils s'engagent dans ces rituels. Pensez à l'époque aussi. Les brahmins, ils s'engagent dans les yagnas. Les rois, ils s'engagent dans les yagnas. Tout le monde est engagé dans cette, cette vie védique. Suivre les védas suivre les, les enseignements de ces écritures, ces révélations, qui sont beaucoup, beaucoup basées sur les, sur les yagnas. Et ici, Krishna il vient expliquer quelque chose. Il dit, OK, vous faites tous ça, c'est très bien. Mais il dit, je suis le rituel, je suis le sacrifice, je suis les offrandes, les offrandes faites aux ancêtres. Donc, en gros, ici, il vient amener quelque chose qui va être plus clair encore après. C'est au final, peu importe ce qu'on fait dans notre vie, peu importe comment, quel devoir on a, et spécialement dans le Yagna ici, le rituel, le sacrifice. Il dit, je suis ça. Donc au final, on fait plein, plein, plein de choses, mais en fait, on interagit toujours avec des parties de lui. On interagit toujours, comment dire, avec... Il y a que lui qu'on prie finalement. Vous voyez On fait tous ses rituels, tout ça, tout ça, tout ça. Mais en gros, c'est lui-même. C'est juste, on utilise ce qu'il nous a donné pour lui redonner quelque chose. Mais au final, c'est seulement lui. Tout le processus, c'est que lui. Il a le rituel, il a le sacrifice. Il dit aussi il dit je suis le, Sama Veda, Samaveda Veda. Il dit je suis la syllabe Om que les yogis qu'on utilise aussi dans le Atma Kriya pour atteindre Dieu, non Il dit tous les moyens, toutes les prières, tous les rituels, c'est seulement des formes de lui-même. Tous ces différents yagnas, il l'est tous ces yagnas. Et il dit je suis la père, le père, la mère, le soutien, le grand-père de cet univers. En gros, il dit on vient tous de lui. Donc, vous voyez, ce qui vient, ce qui commence à expliquer ici, Krishna, c'est comment est-ce qu'on peut switcher de OK, on fait nos rituels et Dieu, il est quelque part ailleurs. Ou même, on ne veut même pas attendre Dieu, on veut juste attendre des royaumes célestes. Comment est-ce qu'on peut switcher cette mentalité pour arriver à comprendre que Krishna, il est tout, il est tout ce qui existe? Et du coup, quand on comprend qu il est le rituel, il est le mantra, il est le home, il est le Rig, Samaya, yajur, veda. Quand on comprend tout ça, qu'est-ce qui se passe? La mentalité, elle switch. Parce qu'à la place de faire ces rituels pour des buts qui sont limités, on fait ces rituels, oui, mais pour un but qui est infini, qui est pour atteindre cette source même, qui est Krishna. Vous voyez? Comment, il, dans la guitare il switch cette mentalité. En gros, c'est comment, Arrêter d'être trop concentré à l'extérieur et se concentrer sur l'essence des choses qui est à l'intérieur. Oui. Et on va voir ça au chapitre 10, ça va devenir encore plus clair. Mais cette idée, il vient montrer, il vient montrer ce, cette omniprésence dans le monde. Et en comprenant ça, qu'est-ce qu'on fait On se tourne vers lui. Oui. Donc c'est Il est celui qui purifie. Il est la syllabe OM. Quand on fait notre Kriya, non L'Atma Kriya. Quand on fait notre méditation. Le OM. Il est ce OM. Krishna lui-même. C'est comme chanter son nom. OM, OM, OM. Rigveda, Samaveda, Yajurveda. Quand on, ré quand on récite les Vedas. Sri Suktam, Vosha Suktam. C'est que lui. Il est la cause de tout ça. Ouais. Et ensuite, il dit Je suis le but, le soutien, le seigneur, le témoin, la demeure, le refuge et l'ami de l'univers. Donc, très, 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 très beau verset ici. Donc, je suis le but, gâté. Gâté, ça veut dire en gros, on dit par exemple, sad gâté ça veut dire la destination de, de tous les saints. Sad gâté. Donc gâtir, c'est le but. bharata le soutien. Prabhu. Quand on dit maha prabhu quand on, dit, quand on appelle quelqu'un Prabhu, ici, ça veut dire Seigneur. Quand on s'adressait pour Goji, pour Dieu. Quand on adresse une personnalité considérée comme divine, Prabhu, c'est le Seigneur. Sakshi. Sakshi, c'est un terme qui est intéressant aussi. C'est le témoin. Donc, Sakshi, c'est aussi le Paramatma, ce témoin à l'intérieur. Il est le témoin de toutes choses. Toutes les actions qu'on fait, il connaît tout ce qu'on fait. Juste avant, pendant le repas, je parlais avec euh, Rishi Aradakananda, le chanteur. Et euh, il m'expliquait que, depuis des... quelques temps, il essaie de vivre sa vie d'une certaine manière. Il essaye de vivre sa vie en essayant d'être conscient à chaque moment que Guruji il est présent. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il de... essaie d'agir. Peu importe ce qu'il fait, il se dit comment est-ce que j'agirais si Guruji était assis à côté de moi à ce moment-là. Et du coup, en faisant ça, on, 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 on s'harmonise avec notre vraie nature. Parce qu'on laisse pas le mental aller à la gauche à droite. Si Guruji est assis à côté de nous, <laughs> on a un autre. On a une autre, euh, comment dire, manière de faire les choses. Et c'est ça le problème. C'est que quand Guruji est là, on, on vit d'une manière. Et quand il n'est pas directement là, qu'on ne peut pas le voir, on vit d'une autre manière. Et c'est pour ça que. C'est pour ça que le mental, il prend le dessus. Mais si on comprend que, ici, ce verset, saché il est le témoin de toute chose. Là, maintenant, il sait tout ce qui se passe. Krishna sait tout ce qui se passe. Krishna, sous la forme du Sadhguru, sait tout ce qui se passe. Guruji, il est au courant de tout ce, tout ce qui se passe maintenant. Et quand on vit de cette manière-là, on vit d'une autre manière. On vit d'une manière beaucoup plus sincère. Parce qu'on l'inclut dans notre vie. Super important. On l'inclut dans notre vie. Nivasa, il est la demeure. Shri Nivasa. Quand on dit Sri Nivasa pour, 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 pour Vishnu, Sri Nivasa, ça veut dire la demeure de Shri, la demeure de la mère divine, pour Vishnu. Et Shalanam, ça veut dire le refuge. Et ensuite, Surit. Alors ça, c'est un petit point qui est intéressant, qu'on peut discuter sur le sanskrit. Surit. Parce que ça vient aussi dans le chapitre 5, verset 29. Donc, il y a plusieurs mots ça se traduit comme l'ami en français. Comme vous avez pu voir ici, l'ami de l'univers. Sulit. Mais il y a plusieurs types d'amis. Et dans le, dans le sanskrit, il y a plusieurs mots pour dire ami. Est-ce que vous pouvez m'en donner un autre Est-ce qu'il y en a un autre qui vous vient en tête comme ça Pour dire ami. Saki. Hein Saki. Saki, exactement. Saki, c'est un exemple parfait. Saki, c'est un exemple pour dire ami aussi, qui est utilisé quasiment tout le temps. Mais Saki, la définition du mot Saki, c'est quelqu'un qui, qui mange avec nous. Vous voyez ce que je veux dire Ce genre d'ami. Un ami qui mange avec nous, qui interagit avec nous comme ça, de cette manière-là. Oui. C'est un type d'ami. Mais en sanskrit, c'est une, une définition très spécifique. Avec Krishna et les Saka, les Saki, ces amis, amis. Vous voyez quand manger à Vrindavan, quand il était dans, dans les champs, tout ça. Mais, surit, ça veut aussi dire ami, mais d'une autre manière. Ici, lit ça veut dire en gros le cœur. Et sous, ça veut dire, euh, ça implique quelque chose de positif, comme un bon cœur, si vous voulez. En gros, surit, ça veut dire un ami, oui, mais c'est un ami, c'est encore plus profond. C'est un ami qui, en gros, au plus profond de son cœur, il veut qu'on atteigne ce bonheur, cette béatitude. Vous voyez? c'est un autre type d'ami. C'est quelqu'un qui veut notre bien-être. C'est ça que ça veut dire, en gros. En gros, au plus profond de lui, il veut notre bien-être. C'est ça, Surit. Surit aussi. Et Krishna, au chapitre 5, verset 29, vous pourrez comparer si vous voulez. Il dit Suridam salva bhutanam. Sarva, salva bhutanam. Ça veut dire tous les êtres. Il dit Suridam. Il, il est cet ami, ce Surid de tous les êtres. Ça veut dire il a ce cœur qui est penché vers le bien-être de tout le monde. Et Krishna, il dit, quand on comprend ça, au chapitre 5, verset 29, il dit, quand on comprend ça, il dit, on atteint la paix. Super important. Parce que on veut tous être en paix. <laughs> Vous voyez ce que je veux dire? Et Krishna, il explique comment atteindre cette paix. Il dit qu'on comprend qu'il est l'ami de tout l'univers. Mais pas l'ami dans le genre seulement manger ou aller faire la fête. Non. Celui qui a son cœur qui est penché vers la, le bonheur de tous, qui veut notre bonheur, qui au plus profond de lui veut qu'on atteigne cette béatitude. Vous ça, solide. Et quand on comprend ça, chantem richati, il dit, on atteint la paix. Super important, dans le sens, euh, dans ce sens là. Donc vous voyez, un mot, plein de significations différentes. <laughs> en sanskrit, c'est c'est pas si. C'est plus précis, on va dire. Les mots sont très précis. Et vraiment, le, le, la signification, elle vient comme ça. Donc, il dit, je suis la création par bhava, il est par laya », la destruction, stan, c'est-à-dire la, la, la base, qu'on en gros. Nidhanam, bijam, avyayam. Il dit, je suis la, cette graine, cette bijam, cette source, qui est avyayam, qui est éternelle, qui n'est qui pas, euh, comment dire, qui n'est pas détruite à aucun moment. Avyayam, de bijam avyayam. Cette, cette cause qui n'est jamais détruite. Cette graine de toute chose. Donc, vous voyez ce genre de verset, comment il vient expliquer quelque chose. Il vient, il vient expliquer que il est la cause de tout. Et du coup, entre la cause et l'effet, il n'y a pas vraiment de différence. Enfin, il y a une différence, mais c'est... Il imprègne tout et du coup, tout est lui. Tout est dépendant sur lui. Rien n'existe indépendant de lui. Donc, il est le rituel. Il est le sacrifice. Il est tout ce qui existe. Destruction, création. Parce qu'il est la cause, la graine éternelle de tout. Cette graine éternelle. Bijam avyayam. Et donc il dit, je suis celui qui, je suis celui qui donne la chaleur. J'envoie et je retiens la pluie. Donc c'est pas Indra qui fait ça. Oui. De nouveau, il explique ce concept-là. Ce qu'on pourrait accorder à Indra, comme un Deva, qu'il est, est cette divinité qui donne la pluie, il dit non. J'envoie et je retiens la pluie. Tout le Giridhari Lila, le Lila de Krishna, ce Lila à Vrindavan où il soulève la montagne, Giridhari, c'est ça l'idée. C'est pour montrer à tout le monde que ce n'est pas Indra qui fait les choses. Il doit être là. Indra il a cette responsabilité oui mais il la fait seulement il est complètement dépendant sur Krishna et donc pour nous aussi on devrait comprendre que tout dépend sur lui le rituel est Krishna il est l'ami de tout l'univers création dissolution tout ce qui existe il est ça il est la cause de tout ça et du coup on se tourne vers la cause et on attend le bonheur et on attend la paix pourquoi parce qu'on a eu cette résolution on avait vu à la fin du chapitre, non Il dit qu quelqu'un qui a, qui, a, qui a pris cette résolution de s'abandonner à Krishna, de, de prier Krishna, il doit être considéré comme un, un sadhu, un saint. Donc, dans ce sens-là. Je suis l'immortalité, amrita, amrita ici, et mnithyu. Il est l'immortalité et la mort. Il dit le manifester le non manifesté. Il est, il, est, en gros, voilà, il est la cause de tout. Et entre la cause et l'effet, il y a une relation de unité et différence. Donc, il est, il est tout et en même temps, tout est, tout est différent de lui, distinct de lui. Et donc, il n'est pas touché par ça. Comme il expliquait au début du chapitre. Est-ce que c'est clair jusque-là Pas de questions OK. Du coup, on va attaquer la deuxième partie qui nous manquait. Et si on peut enlever ça, je les avais copiés de la guitare essentielle. Les numéros ne sont pas importants pour nous ici. Ok. Ceux qui sont versés dans les trois Vedas s'étant purifiés du péché et ayant bu le jus de Soma. <laughs> Prie pour le paradis et me vénère au moyen des sacrifices. OK. Fais enfin, une pause ici. Après avoir atteint ce lieu où réside le roi de Deva, Indra, il profite des plaisirs célestes. OK. Donc, Krishna, il va nous parler de quelque chose ici. Il dit Vous voyez le, le titre Le destin de ceux qui vénèrent les, des Devas, en Des Devas inférieure. Ceux qui sont, en gros, qui ont appris les trois Vedas. Et les trois Vedas, leur sujet, c'est les rituels. C'est en purifier du péché, en ayant bu le jus de Soma. En gros, Soma, c'est une plante, euh, c'est assez mystique, personne ne sait vraiment comment c'était fait à l'époque. Aujourd'hui, on peut le trouver au Karnataka, dans l'état du, du, du Karnataka, mais ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement courant non plus. Le soma, c'est en gros un jus d'extrait de plantes qui était offert dans le yagna. Le soma yagna, c'est un yagna qui était un des plus importants à faire dans la vie d'un brahmin. Et l'idée de ce yagna, c'était on offre ce jus à la fin comme une... et on peut prendre le prasad. Et en gros, ça avait un effet pas hallucinogène, mais c'est comme une sorte de... En gros, ceux qui prenaient ça, d'un coup, ils pouvaient voir les dévats. Il y avait cette idée-là. Donc, c'était une sorte de, de, de recette mystique pour pouvoir justement atteindre différents niveaux de conscience. Après, c'était à l'époque. Comment c'est fait maintenant Ça, c'est très différent. Euh, et il y a plein, plein, plein de, de, de discussions là-dessus. Donc, c'est en purifier du péché de cette manière-là. Il prie pour le paradis. Et ici, c'est important de voir le, le, le terme qui est, qui est utilisé pour le paradis, c'est Swarga. Donc, il parle du monde de Indra. Et il me vénère au moyen des sacrifices. Donc, en gros, ces, ces personnes-là, elles, elles font quoi Elles apprennent les Vedas par cœur. Elles récitent les Vedas. Elles font les yagna, comme le Soma yagna, par exemple, tournées vers les demi-dieux, et ils atteignent Indra. Et il vénère Krishna à travers ce sacrifice qui est non différent de lui-même. Okay. Mais il dit, après avoir atteint ce lieu où réside le roi des Devas, il dit, il, il profite de plaisirs célestes. Mais en réalité, c'est enfin, positif, oui. Mais il y a aussi ce concept que quand on atteint cette réalité-là, on devient un serviteur des Devas. Et en gros, les Devas, ils nous utilisent. Pour leur service, pour leur plaisir. <laughs> Donc en gros, oui, on a encore corps de déva, de, de Oui, on peut apprécier tout leur plaisir aussi, mais c'est pas c'est pas quelque chose qui est euh, dans le Vaishnavisme qui est, qui est <laughs> attirant. Ayant profité de ce vaste royaume des cieux, une fois leur mérite épuisé, ils retournent vers le monde des mortels. Donc c'est le problème de cette ça. Pourquoi c'est pas attirant? pour envahir Shnama c'est parce que ce n'est pas éternel. Ayant profité de ce vaste royaume des cieux, une fois leur mérite épuisé, Swagaloka, une fois qu'ils sont à Swargaloka, une fois que les Punyas, ils sont épuisés, Martialokam, ils retournent vers ce monde, Mriti où il y a la mort, ils retournent vers le monde des mortels. <laughs> Par conséquent, « Ceux qui suivent les rituels védiques et dont la motivation provient du désir s'en vont temporairement au paradis avant de revenir. » Donc là, il explique vraiment clairement, parce qu'à l'époque, ce n'était pas forcément clair, que ceux qui atteignent ces paradis, il n'y a rien de constant. Ils atteignent ça et ils reviennent. Fini. Ils vont là-bas, ils apprécient, ils ont tous les plaisirs qu'ils veulent, un corps de débat. Ils ont resté les védas par, par cœur. Et ils reviennent dans ce monde. Et c'est pour ça que pour nous, ce n'est pas un but dans le Vaishnavisme. Oh wow. Et on va voir pourquoi. Ici, Krishna et dit Mais ceux qui m'adorent moi seul, avec une concentration indéfectible, pour ceux qui me désirent de cette manière, je prends moi-même en charge leur prospérité et leur bien-être. Est-ce qu'il y a un terme ici qui vous rappelle quelque chose dans la première partie du sanskrit. Ananya. Ananya, exactement. Parfait. <laughs> Ananya, ça veut dire quoi La focalisation euh, single pointed. C'est ça. Ananyan chintayantomam. Leur mental, leur chita, leur, leur... On peut dire leur consci... complètement absorbé en lui, on est absorbé en lui constamment sans déviation. Ceux qui, désirent, ceux qui désirent Krishna de cette manière-là, les dévots, et c'est ce qu'on cherche à atteindre, avoir ce désir pour Krishna de cette manière-là, il dit que Krishna, il prend lui-même en charge notre bien-être, la prospérité. Donc, il s'arrange pour tout. Donc, Krishna ici il explique Le but, c'est lui. Il est tout ce qui existe. Il est le rituel, le mantra, le yagna. Il est le qui il est création, dissolution, il est le Om, Rig Veda, Samaveda, Yajur Veda. <laughs> il est tout ça. Donc, l'idée, c'est quoi Mettre notre mental sur lui. Parce qu'il dit, il est la source de tout. Il dit après, Amsavasya Prabhava, au chapitre 10. Je suis la source de tout, il y a rien qui est plus. <laughs> il sait pas qu'il y a autre chose. Vous voyez Donc, quand on prie la source, quand on s'approche de la source, tout vient à nous et dit je prends moi, moi même en charge leur prospérité et leur bien-être c'est l'idée ceux qui s'abandonnent à krishna quand on s'abandonne à krishna il prend soin de tout mais attention c'est important à comprendre aussi enfin, pas à comprendre mais à garder en tête il dit je prends en charge leur prospérité et leur bien-être oui et, et je pense qu'on aime bien on aime bien cette deuxième partie du verset mais on oublie la première partie du verset. Vous voyez l'idée C'est l'idée qu'il ne faut pas, faut pas oublier ça. Ceux qui m'adorent, moi seul, avec une concentration qui n'est qui est pas déviée. Donc l'idée, c'est que ça, c'est valable le moment où on, fait des, où on fait notre effort. Où sincèrement, on fait cet effort de se dire, OK, on a tous des capacités différentes qui évoluent avec le temps. Ce que je pouvais faire il y a 5-6 ans en termes de pratique, ça n'a rien à voir avec ce que je peux faire maintenant. Donc on évolue constamment, c'est clair. Mais l'idée, c'est simplement que si on essaye au moins de suivre ce qu'il dit, ce que il explique, si on, si on met ça en pratique dans notre chemin, faire une heure de japa par jour. Pas moins, jamais moins, et plus si on veut. Quoi. Mais en gros, faire une heure de japa. Faire notre puja. Faire notre Atma Kriya tous les jours. Lire au moins un verset de la Bagar Gita. Quand on fait ça, là, on peut commencer à se pencher sur ce verset-là et se dire qu'il prend en charge notre prospérité et notre bien-être. Mais si on ne fait pas ce qu'il dit, <laughs> ouais, on ne peut pas non plus. C'est l'idée. C'est comme l'idée dans, dans la Bible. Euh, Gouji, il parle souvent de ce verset où, Christ... où, où Jésus il dit. Euh... Vous pourrez sûrement m'aider là-dessus. Euh, comment il dit Je pense que Guruji il fait un lien. Il ne de... il dit, dit pas, en fait, euh, 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 Portez votre croix et je vous porterai en gros, je... Non, c'est lié à ça, mais je pense que c'est deux versets différents. Bon, en gros, il y a cette idée que Jésus, il prend tous les péchés. Et l'idée que Jésus prend les péchés de tout le monde, ça, tout le monde connaît par cœur. Ça, c'est le, le verset que tout le monde accepte. Mais le verset où Jésus il dit, prenez votre croix et suivez-moi, en gros faire la même chose que lui, suivre son chemin de d'intensité de, de, de cette dévotion qu'il a montrée, ça personne ne veut faire. Ouais. Donc c'est le problème, c'est qu'on prend une partie de l'enseignement, mais on, on prend pas l'autre partie. Ouais. Et du coup on, on se demande mais pourquoi est-ce que ça marche pas ouais. Mais c'est l'idée en gros il dit. Si on fait notre mieux pour mettre notre mental sur lui, il prend soin de tout. Prospérité, le bien-être, tout ça. Et c'est la beauté de là-dedans. C'est pas, pas quelque chose qui est. C'est simple. C'est simple. Et il prend soin de tout. Et ici, il dit. Donc là, il va conclure. Il dit comprends bien Arjuna. Que même ceux qui vénèrent d'autres deva avec foi shada avec foi ne vénèrent en fait que moi seul ils ne vénèrent en fait que moi seul mais de façon inappropriée. Vous voyez l'importance de ce verset là. Donc il parle de tous ces gens qui, qui, ont, qui, ont, qui faisaient ces yagnas, qui font, qui connaissent les Vedas par cœur, qui font leurs rituels, tout ça. Il dit c'est très bien ils vénère d'autres dévats avec foi, très bien. Mais en réalité, ils ne vénèrent que moi seul que, seul, que Krishna seul, mais de façon inappropriée. Parce que, quelle est la bonne manière de prier Krishna, c'est de l'approcher directement, vous voyez Et c'est pas d'arrêter de faire son devoir. C'est pas. À l'époque, ce pas d'arrêter de faire les yagnas. Aujourd'hui, c'est pas d'arrêter de faire notre travail ou notre devoir de tous les jours, qui a été dicté par notre nature. Ce n'est pas à propos de ça. On a, pas, le but, ce n'est pas d'arrêter ça. Mais c'est de le faire comme un service pour Krishna, en comprenant qu'il est tout ce qui existe. No, il est notre travail, il est no, nos tendances. Il dit Je suis le sacrifice, je suis le rituel. Oui. Il est dans notre devoir de tous les jours. Et si on peut le trouver là-dedans, et, et qu'on cherche à l'attendre, lui, à travers notre devoir, Là, on le prie de manière appropriée. On offre nos actions et là, ça devient approprié parce que le but, il est correct. On a compris, il est, s'il disait, bijam Aviayam, il est cette cause, il est cette, cette graine qui est indestructible. Et une fois qu'on comprend ça, il prend soin de tout et notre, notre, notre chemin devient approprié et devient direct pour aller à lui. Car je suis le seul à jouer, à apprécier de tous les sacrifices et à en être le Seigneur. Mais ces gens-là ne me reconnaissent pas dans ma véritable nature, ceux qui les fait chuter des positions qu'ils avaient atteintes. Pourquoi Parce qu'on ne reconnaît pas, à cette époque-là, de ceux qui priaient d'autres demi-dieux aussi, d'autres devas, c'est plus correct. Ils ne reconnaissent pas que Krishna est cette source de tout, qu'il est le suprême Brahman. Ils sont intéressés pour, par leur plaisir. Et du coup, ils atteignent des positions et ils chutent de leurs positions qu'ils ont atteintes. Pourquoi Parce que c'est impermanent. Et parce que leur, leur, leur prière, elle est inappropriée. Ce n'est pas le but. Le but des Vedas, le but des Vedas, ce pas d'atteindre Indra. C'est un passage, oui. C'est quelque chose qui nous amène à la purification, oui. Mais ce n'est pas le but dans dans na, Narayana Suktam il y a un verset qui dit Narayana magneyam Vishwatmanam parayanam il dit Narayana magneyam ça veut dire il est mineyam ça veut dire l'objet qui doit être connu donc dans tous les védas il est cette personne qui doit être connue le, le but des Vedas c'est pas de connaître Indra le but des védas, c'est de comprendre que il est la source de tout il est cette racine de tout oui. Et c'est ce qu'il vient expliquer ici. Et du coup, ceux qui ne connaissent pas ça, ils atteignent, ils atteignent une certaine réalité et ensuite ils tombent. Pourquoi Parce que c'est la nature de, de ces mondes, de ces mondes paradisiaques, de ces mondes célestes, des mondes des devas, aussi beaux que ça puisse être, c'est impermanent. Et donc, il y, a, il y a ce verset qui vient qui est super important. Il dit, ceux qui vénèrent les devas vont aux devas. Ceux qui vénèrent les ancêtres vont vers les ancêtres. Ceux qui vénèrent les esprits les rejoindront. Mais mes dévots viennent à moi. Oui. Super important, on peut, on peut le redire une fois. Ceux qui vénèrent les devas vont aux devas. Ceux qui vénèrent les ancêtres, ceux qui prient les ancêtres constamment, ils vont. Vitruloka, dans le dans le monde des ancêtres. Ceux qui vénèrent les esprits, les bouddhas, ils vont vers les esprits. Et, mais il dit, mes dévots viennent à moi. Et ici, euh, il me semble que c'est ce verset-là, ou en tout cas sur le même sujet, goji parle par exemple du chamanisme et de ce genre de choses. Et vous voyez, il y a un problème là-dedans. Il y a un danger là-dedans dans toutes les pratiques, on va dire, ésotériques, qui ont un but qui n'est pas Krishna. Et quand je dis Krishna, je ne dis, de, de euh, dis pas ça de manière euh, étroite d'esprit, vous voyez ce que je veux dire Mais en gros, pas, certains vont l'appeler Ram, certains Narasim, c'est pas, pas à propos de ça, il y a, il y a différents noms, il y a différents aspects, différentes formes. L'idée, c'est juste celui qui a pas son mental qui est tourné vers le suprême. Qui n'a pas envie d'atteindre cette relation suprême avec Dieu, si on se tourne vers des pratiques ésotériques, des pratiques plutôt chamaniques, et ce n'est pas qu'il n'y a rien de bien là-dedans, au contraire. Et ce n'est pas pour nous de juger, ça c'est un autre chemin. Et Gorgil explique que quand on interagit avec les ancêtres, avec les esprits, avec tout ça, on atteint ce genre de naissance. Vous voyez Plein de personnes, hein, Grosje aussi explique ça euh, régulièrement. Beaucoup de personnes font par exemple channeling. Oui. Channeling, ça veut dire on canalise un, que ce soit un, un ancêtre, un certain maître, un certain esprit, peu importe, et donner des messages à des, aux personnes à travers ça. Ok, évidemment ça existe. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien là-dedans, c'est sûr. Mais le problème, c'est que il explique, la plupart des gens, ils n'ont aucune idée, en réalité, de qui est-ce qu'ils sont, avec qui ils ont cette communication. Parce qu'il dit, dans le monde, on va dire quoi, céleste, ou dans les mondes plus subtils, on va dire, il y a, ça ne marche pas comme ici. Et du coup, il dit, il y a plein de gens qui sont ils pensent qu'ils sont en connexion avec des grands maîtres, euh, vous voyez ce que je veux dire En réalité, ils sont en connexion avec des entités, avec des sortes de des âmes qui sont bloquées qui veulent juste atteindre une naissance humaine et donc ce qu'ils font c'est qu'ils se détruisent eux-mêmes et ils détruisent tout le monde qui vient envers eux, sans se rendre compte parce que du coup ces différentes, on va dire, entités elles profitent de l'énergie de cette personne-là elles profitent de l'énergie de tous les gens-là et en, en se faisant passer pour un ou tel ou tel maître, ascendé ou ce genre de choses, c'est pour ça que Groji dit faire très très attention avec ça et dans le Vaishnavisme, on a ce chemin qui est simple. Le japa, les satsangs du gourou, les écritures. On a un chemin qui est simple et il est complet. Donc il n'y a pas besoin de tout ça. Quand on prend le Vaishnavisme, il n'y a pas besoin de tout ce genre de choses. C'est complètement autre chose. Parce qu'on n'est plus concerné avec les devas, on n'est plus concerné avec les ancêtres, on n'est plus concerné avec les esprits. On est concerné avec la source de tout, qui est Krishna. Et ensuite on a du coup ce verset qu'on avait vu la semaine passée. Quiconque m'offre avec dévotion une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau, j'accepte cette offrande faite avec dévotion par celui dont le cœur est pur. Simple. Vous voyez comment il vient construire jusque-là. Il commence par expliquer je suis le rituel, je suis le sacrifice. Il est le veda, il est le homme. Il est le but, le soutien, l'ami, Sohid, celui qui a ce cœur qui est tourné vers tous, qui veut le bien-être de tous. Il est la création, il est la base de toute chose, cette graine éternelle. Et il dit J'envoie, je retiens la pluie. Il dit Je suis celui qui donne la chaleur, l'immortalité, la mort, tout ça. Et ensuite, il explique ceux qui prient les demi-dieux, en gros, ils vont aux demi-dieux. Mais ceux qui m'approchent, la, déjà, c'est la bonne manière. Ce n'est pas inapproprié. C'est la manière appropriée de prier. On approche Krishna directement. Et si on fait ça, qu'est-ce qui se passe Il prend soin de notre prospérité et de notre bien-être. On l'approche de manière appropriée. Et on atteint une destination où il y a pas de chute. Et en gros, il dit, mes dévots viennent à moi. Et donc, comment est-ce qu'on le prie de manière appropriée Simple. Quiconque m'offre avec, avec dévotion <laughs> une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau, patram, pushpam, palam, c'est quatre débuts, j'accepte cette offrande faite avec dévotion par celui dont le cœur est pur. Simple. Vous voyez l'idée Donc, on a tous ces rituels, oui, c'est très bien. Mais, le but de la vie, c'est quoi? C'est de comprendre qu'il est la cause de tout, il est la source de tout. Il existe en toute chose. Et quand on comprend ça, on met notre mental sur lui. Ananyas Il disait, non, ananya, de nouveau, sans déviation. On met notre mental sur lui. Et on le prie avec dévotion, avec des offrandes simples. Et c'est un concept, je pense, pour terminer, on pourrait terminer là-dessus. C'est un concept qui est, qui, est, qui est magnifique dans le Vaishnavisme et ça revient à quelque chose que, que j'avais demandé à Groji il y a des années maintenant. Enfin, des années, c'était pas 15 ans non plus, quoi, mais <laughs> il y a, a 3-4 ans comme ça. Je lui ai demandé, mais on parlait des saints, en gros, de différents saints. Et euh, je ne sais plus exactement quelle était la question, mais en gros, ce qui m'avait expliqué après, c'était que. Tous les saints, ils ont atteint un niveau extrêmement élevé, que la qualité qu'ils ont en commun, c'est la confiance, cette extrême confiance dans leur chemin, trust. Mais après, il m'avait dit quelque chose, il m'avait dit, mais tu vois, les saints de Bhakti, de la dévotion, ils ont une qualité spéciale. Qu'est-ce que vous pensez que, que c'est cette qualité spéciale quelle est la qualité d'un Vaishnava Quelque chose de spécifique. Euh, L'humilité. L'humilité, ça peut en être une, mais ils sont humbles. Tout le monde est assez humble. Enfin, tous les saints sont humbles dans un sens. De tout accepter pour, pour lui faire plaisir, lui seulement Pour le servir, lui uniquement Ok, c'est sûrement vrai, mais j'en cherche une autre. Bah, L'amour pour Dieu Ouais, mais ça, tous les saints, ils ont ça. Enfin, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui, qu qui est spécial dans le vaïchnamisme Et c'est complètement lié à ce verset 26, là. C'est l'abandon oh. complet L'abandon complet, c'est une, euh, une version, ouais, mais... Qu'est-ce qui vient nous montrer ce verset 26, là ben, C'est la relation euh, impérissable avec, euh, avec le Seigneur. Ok, mais... Qu'est-ce qu'il a C'est clair. Mais qu'est-ce qu'il apprécie Krishna là-dedans La simplicité. La simplicité, c'est ça. Et il y a une définition du Vaishnavisme. Oh, un Vaishnava, c'est quelqu'un qui est simple. Est... il y a un acharya, c'est un Godiya Vaishnava, il disait Sahalata he Vaishnavata. C'est-à-dire Vaishnavata, la qualité d'être de... un Vaishnava. C'est lié à Saralata, ça veut dire la simplicité. Être simple. <laughs> C'est ça que je m'avait dit. Ces saints de la dévotion de Bhakti, ils sont simples. Il ouais. y, a, y a pas de. C'est pas du tantra où tu où, où as des sadhanas qui finissent plus, où tu as des, tous les. extrêmement complexes. Il n'y a pas de rituel extrêmement complexe. Non. Ça se passe par la simplicité du cœur. Et la simplicité, c'est quoi C'est juste avoir un but. En gros, comme Krishna l'explique ici, il dit, ceux qui mettent leur mental sur moi, Ananya Chintayantumam, Ananyas, il dit, regardez à quel point c'est simple. Il dit, ceux qui mettent leur mental sur moi, il prend soin de la prospérité, il prend soin de notre bien-être. Et il dit, mes dévots viennent à moi. Et comment est-ce qu'on prie Est-ce qu'on prie avec des grands mantras, avec des grands rituels, des trucs qui coûtent des millions d'euros, que seulement les rois pouvaient faire Non Avec dévotion, une fleur, une fleur, une feuille, un fruit ou de l'eau, c'est encore plus simple qu'un puja. <laughs> c'est encore plus simple qu'un puja. Une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau. S'il y a cette dévotion, il accepte. Si le cœur il est pur, il accepte. Quand la simplicité elle est là, il accepte c'est ça la beauté du, du chemin avec Guruji par savez Shonanda. il vient nous enseigner l'essence même du Vaishnavisme qui est la simplicité il, il, il explique ça souvent devenir simple dans le sens savoir ce qu'on veut et, et juste faire ça quoi oui. avoir cet amour pour Dieu cette simplicité là pas besoin de compliquer quoi que ce soit oui. Et même quand on peut dire, mais alors, pourquoi est-ce qu'on étudie la Bhagavad de guitare Pourquoi est-ce qu'on étudie les Upanishads On pourrait dire. Pourquoi, 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 pourquoi Si on doit juste être simple. L'idée, c'est que... Pour, enfin, c'est pas que... Ça, c'est ma compréhension des choses. C'est en gros, pour arriver à cette simplicité. Simplicité, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir une vie qui est simple. Ça veut dire connaître son but, connaître le chemin, et agir en accord avec ça. Vous voyez En gros, pour... Pour atteindre cette simplicité, c'est pas si simple. <laughs> ça, le problème, <laughs> c'est que pour atteindre cette simplicité, il faut se, il faut enlever tous les deux autres, tous les autres désirs. Et c'est là que la bagarre de guitare, elle vient, que les satsangs y viennent, que tout ça, c'est C'est pour remettre notre mental, c'est comme pour recalibrer notre mental, recalibrer tout notre esprit, notre conscience, pour qu'elle devienne de nouveau simple, qu'on se libère de toute cette on peut dire, ces chaînes qu'on s'est mis autour de nous, cette personnalité qu'on s'est mis autour de nous, ces concepts qu'on s'est mis autour de nous, on enlève tout ça et on redevient simple. Et c'est là qu'on devient un Vaishnava. Simplicité. Cœur pur avec dévotion. Simple. <laughs> c'est l'idée. Donc, c'est super simple, mais c'est aussi le plus haut des dharmas dans le schéma de Bhagavatam, c'est expliqué ça. C'est tellement pur que la plus, pour la plupart des gens, c'est difficile à comprendre. Comme Goroji dit, non chanter le nom de Dieu, juste chanter le nom de Dieu, le mantra, les, plein de gens, ils arrivent et puis ils se disent, ah mais c'est trop, trop, trop simple, ça peut pas être quelque chose qui nous amène à Dieu. Alors qu'au final, si, c'est la racine même de toute, pratique, de toute pratique spirituelle, de tout yoga. Mais ça a l'air trop simple. Oui. <laughs> quand on regarde ce verset 26, ça a l'air trop facile. On aime quand c'est compliqué. Mais le vaishnavisme, c'est la simplicité. Pour, comment arriver à cette simplicité, quoi Sarvaroga bon, bon. Oui, justement, ce qui me paraît difficile dans ce verset, c'est d'avoir un cœur pur. Donc, ça signifie quoi d'avoir un cœur pur Comment on fait pour... Pour, pour évaluer à quel point on n'est pas pur ouais, je pense que l'idée c'est pas de s'évaluer constamment là-dessus c'est difficile à dire mais en gros déjà qu'est-ce que c'est le cœur c'est un point qui est important aussi quand on parle du cœur sur le chemin spirituel on parle d'une partie de notre mental et, pas, et ici je parle pas du mental de manière très très matérielle et euh, conditionnée Rempli de désir, c'est pas ça. Une partie de notre mental qui, qui est le subconscient, l'inconscient, la partie extrêmement profonde en nous, à partir de laquelle la spiritualité elle s'éveille, vous voyez Ça, le cœur. Et c'est aussi là que nos mémoires elles résident, qu'on a aussi beaucoup de notre. Ouais, ces mémoires qui résident. Et du coup, l'idée, c'est qu'avoir un cœur pur, c'est libérer de tous ces. Sam de ses habitudes du passé. Oui. Et comment on fait pour purifier le cœur On s'engage dans la pratique qui a été donnée par le maître spirituel, simplement. Et ça purifie cette euh, cette inconscience, ce subconscient. Et c'est pour ça qu'il dit que Dieu il se révèle dans un cœur pur. Une fois que notre mental, que notre conscience même, on va même dire la conscience ici, cette conscience, elle est purifié complètement, Dieu, il se manifeste à l'intérieur. Dans le cœur pur. Donc ici, le cœur pur, c'est aussi ne pas avoir de... ouais, pas avoir ce... Essayer de réduire au maximum cette hypocrisie. On a tous l'hypocrisie en nous, c'est normal. Tant qu'il y a un mental, on aura... Il y a une hypocrisie qui est là. Mais qu'on essaie de s'aligner ouais, avec ce qu'il veut s'aligner avec ce qui, ce qui dit ce qui nous enseigne là on peut parler du cœur pur parce qu'il n'y a pas de c'est pas qu'on dit quelque chose et qu'on fait autre chose ouais on, on s'aligne en gros il y a cette simplicité qui s'éveille donc le cœur pur c'est aussi ça passe aussi par ça c'est beaucoup plus profond que ça je suis sûr on demander à Guruji exactement ce que c'est le cœur pur en gros l'idée c'est de se libérer de ces tendances matérialistes qui sont profondément ancrées en nous se tourner vers le spirituel. Et comme un verre d'eau qui est rempli de boue, si on continue de verser de l'eau pure dedans, un moment, l'eau dans le verre, elle sera complètement pure. De la même manière, on a le cœur qui est rempli d'impuretés. Ces impuretés, c'est les désirs pour le monde extérieur. Et plus on remplit notre conscience de Dieu, de Krishna, Ananya, bacté sans dévotion sans fluctuation, cette cette tendance matérialiste elle s'enlève de notre conscience et une fois que la tendance que la racine elle est plus là on perd ses désirs parce qu'il n'y a plus la racine pour ça c'est comme ça a été c'est comme des graines qui ont été brûlées imaginez vous cuisez je sais pas vous allez récolter des graines de courge mmh au jardin. Et ensuite, vous, vous faites une soupe avec des graines de courge. Vous faites bouillir les graines pendant une heure, et une heure, je sais pas. <laughs> si vous avez planté les graines, ça ne va pas pousser. Ouais. Parce qu'elles ont été complètement consumées. De la même manière, Kishinev parle du karma, il parle de ses samskaras, il parle de ses désirs qui sont consumés par ce feu de la dévotion, ce feu de la connaissance aussi. C'est comme des graines qui ont été brûlées, elles ne germent pas. C'est aussi ça. Le cœur pur. Et de nouveau, c'est sûrement beaucoup plus que ça. Je partage ce que... Ce, que, ce que je comprends de ça, mais oh, cette simplicité. Ok. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus Moi j'avais une question par rapport au verset 22. Mmh. Je viens de me rappeler en fait qu'on le retrouve dans le Vishnu Sahasranam à la fin. Mmh. Et je me demandais si tu pouvais nous éclairer sur le fait que Krishna ait répété la même chose euh, du coup à, à Bishma. Mmh. Ah, tout à la fin dans le Vishnu Sahasranam, mais à différents versets qui, qui viennent à différents endroits. Dans le, dans le, il faudrait, faut, premièrement, il faudrait regarder si dans le Mahabharata ça vient dans ce sens-là. Ou est-ce que c'est des versets qui ont été rajoutés à la discussion pour clore la discussion? Parce qu'il y a aussi, chez l'âme, lam, Il y a ce verset qui vient aussi. En Shiva et Parvati. En mm. Shiva et Parvati. Mais ça, je ne sais pas. Il faut regarder le texte original, mais je ne suis pas sûr que c'est dans le Mahabharata lui-même. D'accord. Okay. C'est dans la discussion. C'est la discussion finale, en tout cas. C'est le... des versets qui ont pu être. D'accord réitérer si tu veux, pour, pour vraiment clore la discussion, mmh. ou, le, ou la récitation, mais c'est pas forcément. Mais après, dans le Mahabharata, par exemple, parce que la Bhagavad Gita, c'est une partie du Mahabharata, dans le Mahabharata, il y a aussi beaucoup de versets qui se répètent. Pour faire, tu vois, pour rendre le point clair, quand il y, y a un verset qui est très important, ça se répète dans le Mahabharata. Et du coup, c'est pas, pas du tout, du tout, du tout impossible que volontairement il y a eu cette répétition à la fin du Sahasranam. Oui, parce que même toi, on voit que ce soir, tu as énormément insisté sur le terme Ananya, enfin, ça fait plusieurs fois qu'on en parle et tout ça, donc on voit que c'est... Ouais. Regarde, le Vishnu Sahasranam, il vient, le Mahabharata à un point qui est super important. Parce que c'est le même concept que Ananya. Regarde, le Mahabharata, c'est dit quoi Le Mahabharata, il s'appelle le cinquième Veda. Ah ouais. C'est dit que le Mahabharata, en gros, Veda Vyasa, il explique ça dans le, dans le premier livre du Bhagavatam. Il dit j'ai compilé tous les Vedas ensemble. Donc il ne les a pas écrits, mais il les a compilés. Enfin, il ne les a pas composés, il les a mis ensemble. Il a composé, les, il a compilé de nouveau et composé aussi les Puranas. Mais il dit, ce n'est pas accessible pour tout le monde. La connaissance védique, elle n'est pas accessible à tout le monde à cette époque-là. Très difficile. Et il dit, du coup, pour ceux qui n'ont pas accès au Veda et qui veulent comprendre le Dharma, qui veulent comprendre comment vivre, quelle est l'essence même des choses, il dit J'ai composé le Mahabharata. Parce qu'il avait vu le Mahabharata se passer. Donc il a dit Il compose ça d'une manière où l'essence du Dharma, elle va être révélée. L'essence des Vedas va être révélée à travers cette, ce, cet euh, événement historique qui est le Mahabharata mis sous la forme d'une poésie, ouais. enfin sous la forme d'un récit, d'un épique si on veut. Et en gros l'idée pourquoi je te dis ça, parce qu'à la fin, le Vishnu mais il arrive quand, pour ceux qui, le... en gros pour le contexte, il y a Mahabharata, il y a cette grande guerre, tout le monde qui meurt, en gros, il y a des millions de guerriers qui se battent et il y en a que cinq, enfin, une dizaine on va dire, qui sont survivants à la fin. Et Bhishma, il est couché. Bhishma, qui était le, le, un des grands, 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 grands personnages de, de, de cette époque-là, il est couché sur le lit de flèche. Et donc, il récite ces versets pour Vishnu à la fin. Mais en gros, il faut comprendre la question. En gros, le Vishnu Sahasranam, il vient dans un chapitre, dans le, dans le 13e, je crois, 13e ou 14e livre du, du, du Mahabharata. Et en gros, l'idée, c'est que. Yudishtir, il est assis là et il pose des questions à Bishma sur tout ce que vous pouvez imaginer, littéralement sur tout ce qu'on peut imaginer. Et en gros, à travers ça, le Mahabharata il donne la connaissance à tout le monde sur comment vivre notre vie. Et en gros, il arrive à cette question qui est super importante. Il dit mais Bishma, tu connais l'essence du Dharma. Tu as étudié tous les Vedas Tu es la personne qui a le plus de connaissances sur terre. Il dit, dis-moi, quelle est la personne? Quel est le but de la vie? Qui est-ce que je dois prier? Quel est ce plus grand des dévats qui contrôle tous les autres? Vous voyez? Parce qu'à l'époque, c'était pas forcément clair non plus. Donc, Yudhishthira, il, il demande, il dit, quelle est la personne que je, que je peux prier qui va m'amener au plus haut? Et Bhishma, il récite le Vishnu Sahasranam. Il dit, cette personne, c'est Vishnu. Et ce Vishnu, c'est le même que Krishna qui est juste assis ici. <laughs> qui est assis juste à côté. C'est l'idée. Mais en gros, pour dire que... C'est pour ça que Ananya... J'insiste là-dessus. Parce que même quand Bhishma il est couché sur son lit de flèche et qui donne des réponses à Yudhishthira, Bhishma lui-même, il conclut que le plus, haut, le plus grand des dharmas, le plus grand dharma, la, plus, la meilleure manière de vivre sa vie, c'est Ananya en direction de Krishna. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est pas seulement dans la guitare. Toutes les écritures elles culminent là-dedans. Et il y a un verset qui vient dans, ces, dans, ce, verset du, dans ce chapitre du Mahabharata où il dit. Je vais pas vous embêter avec les termes. En gros, toutes les écritures elles culminent dans une seule chose qui est pure dévotion pour Narayana, rien d'autre. Ouais. Ananya. Donc quand on parle de ces versets, j'insiste un peu parce que ces versets-là c'est l'essence de toutes les écritures. C'est vraiment le cœur le cœur de, de, des Vedas, si on veut. La culmination des, des Vedas. Voilà, voilà. Merci. Parce que je suis en train de préparer le cours. Pour... Pourquoi je te parle de comme ça C'est parce que j'ai le Mahabharata ici. Parce que je suis en train de préparer le cours pour la troisième année de l'académie. Et justement, aujourd'hui, je en train de lire ce, ce, ce chapitre où Bishma il répond à toutes ces questions, justement. Et c'est le chapitre 14, enfin le 14e livre. Non, le 13e livre, c'est ça, le 13e livre. Le livre 12 et 13, où il répond à toutes ces questions. C'est pour ça que je me souvenais du contexte. OK questions sinon on peut finir là ouais, j'ai encore une petite question ouais, avec euh, plaisir, dans le verset 17 euh, krishna il cite euh, les trois Vedas. pourquoi il ne cite pas le quatrième <laughs> je crois que j'avais parlé de ça avec la il y a une semaine tu peux répondre à pourquoi est-ce qu'il parle pas du quatrième Veda que, euh, parce qu'en fait il est venu après en fait c'est un troisième ce que tu m'avais dit il était est... venu après et que c'était il y a aussi autre chose. <laughs> oui, c'est ça. L'autre chose, c'est encore plus important. Euh... Que ça ne parle pas de la philosophie, que c'est plutôt des choses. Je ne me souviens plus. C'est parce que dans le At Atarva Veda, il y a aussi des rites un peu du genre magie. Vous voyez ce que je veux dire Ah oui, la magie noire. Ouais, ouais pas, pas magie noire, mais il y a, il y a, des, il y a des mantras pour. Euh... Ah oui. Je ne peux pas vous dire exactement quel mantra, ah, mais en gros, il, il y a certaines pratiques qui sont pas présentes dans les autres Vedas. Et du coup, principalement, on a le rig, le sama, Yajur Veda. Et Atharva Veda, c'est comme un quatrième qui vient, je peux pas vous dire à quel moment, et ni comment ça s'est fait, mais en gros, il vient se, ce... il est amené comme un peu plus tard, si on veut. Ou il est inclus comme un des Vedas un peu plus tard. Parce que c'est pas le même, c'est pas exactement le même principe. Ça inclut aussi un autre type de pratique. C'est pour ça. Atharva Veda.

Chez bonne soirée. Merci beaucoup. Et euh, semaine prochaine, on pourra commencer le chapitre 10. Chez merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 merci.